Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous parler du site Ivancy. Alors voilà, je vous montre la carte. Alors Ivancy, c'est tout simplement le même concept que Octoly. C'est une plateforme pour les entreprises et les influenceurs en fait. Et les entreprises, ça peut être différentes marques de cosmétiques ou autres. Et les influenceurs, youtubeuses, blogueurs, voilà. Et tout simplement, cette plateforme Ivancy vous propose des produits de certaines marques à tester. Et si vous correspondez à leurs exigences, enfin à leurs conditions, vous êtes accepté. Et après, la marque décidera si oui ou non elle vous laisse tester leurs produits. Tout simplement, donc c'est comme Octoly, sauf que Ivancy, c'est... Il vient juste de se faire, on va dire. Donc ils sont moins connus, mais ils sont tout aussi bien, enfin même mieux, on va dire, oui, parce qu'on peut plus avoir accès à leur site. Donc moi j'ai été acceptée pour faire une collaboration avec ben, ceci, tout simplement. Il y a beaucoup de faut que j'arrête avec ça. C'était une genre de petite trousse beauté pour la Saint-Valentin. Et j'ai reçu la carte. Alors il y a marqué Angélique, donc ça c'est super attentionné je trouve. Ben, ils auraient juste pu envoyer juste la carte, mais ils ont quand même marqué mon nom au stylo quoi. Donc c'est plutôt sympa. Et c'est You don't know a Valentine because Ivancy loves you. Oui, alors c'était pourri cet anglais, mais c'est pas grave. Alors voilà, pour la carte, de toute manière, je vous mettrai les liens, enfin le lien plutôt, de Ivancy. Et après, vous allez checker ça et vous regardez si... Normalement, vous pouvez vous inscrire à ça, il n'y a pas de souci. Et après, pour les tests, eh ben, c'est à voir si vous êtes accepté ou non par la marque. Ça dépend. Alors, j'ai reçu cette petite trousse, comme je vous ai dit, c'est pour la Saint-Valentin. Alors déjà, il est joli, c'est un bleu métallique comme ça. Très sympa. Je m'attendais pas à recevoir une trousse en fait. Enfin, je m'attendais pas à recevoir un truc aussi ouf. Alors j'ai regardé, parce qu'on peut regarder combien de commandes on a fait. Et j'ai vu aussi qu'on peut savoir la valeur de la chose. Donc la valeur, enfin le total de tout ce qu'il y a dedans, c'est 40 euros si je me trompe pas. Donc j'ai envie de vous dire, c'est super sympa. Alors j'ai reçu 3 produits à l'intérieur. Alors le premier produit, c'est un vernis de chez Kiko. Alors c'est un bordeaux rouge vin foncé, plus un rouge vin foncé même, mais il est vraiment magnifique. Alors j'adore ces couleurs, donc je peux que aimer. Et c'est, je sais pas si c'est la teinte 012 ou la teinte 129, parce qu'il y a écrit en haut et en bas. Donc voilà, pour ceux qui aiment beaucoup Kiko, devineront la teinte que c'est, enfin les habitués. Donc voilà, c'est le Smart, enfin la gamme Smart, Fast Drive Nail Liker. Voilà, je connais pas cette gamme-là. Donc à tester, mais juste la couleur, j'aime beaucoup. On continue avec un baume à lèvres de chez The Body Shop. Et c'est Vanilla Chai. Voilà, alors comment dire que l'odeur, c'est une tuerie. On a 20 ml et voilà, j'ai déjà testé. Il fait un film gras, il hydrate bien, il hydrate bien, donc, et l'odeur aussi, j'aime beaucoup, donc ça j'aime bien, franchement c'est un bon produit, et moi les baumes à lèvres, j'en consomme à bout, j'adore ça, alors je peux être que contente d'avoir reçu ceci. C'est très Saint-Valentin parce que tu t'hydrates les lèvres pour avoir des lèvres plus douces et tout, et après tu mets un rouge à lèvres à la suite, tu vois, pour faire plus glamour, et le vernis, ben... C'est logique, c'est dans le thème. Et bien sûr, du rouge à lèvres. Alors, quand j'ai vu le rouge à lèvres, je suis restée ben, con. Hein, tant le dire, vraiment con. J'ai reçu un rouge à lèvres MAC. Voilà. Donc, c'est mon premier rouge à lèvres MAC, autant vous le dire. Et c'est le Ruby Woo. Et c'est celui-là que je porte aux lèvres. Parce que j'ai envie de vous le montrer en vidéo, ce qu'il y a. Alors, c'est un fini mat. Ouais, rétro mat. Il est facile d'application, il est très pigmenté et il est quand même crémeux et on ne le sent pas vraiment quoi. Enfin, il n'est pas désagréable franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, je pense que vous savez le packaging des MAC. Et l'odeur, il sent bon. En fait, il sent la vanille. Vous voyez le sucre vanillé, ben, c'est pareil. Et la couleur, c'est comme ceci.
Comme j'ai dit, c'est celui-là que je porte. Alors voilà, je suis très très contente d'avoir reçu ce rouge à lèvres. Et voilà, il n'y a rien à dire. Je remercie bien évidemment Ivancy de m'avoir fait tester ces produits. Et bien sûr, merci aux marques, hein, à MAC, The Body Shop et Kiko de m'avoir laissé tester ces produits. Parce que franchement, ils sont vraiment très très bien. Et ça donne l'opportunité aux petites youtubeuses ou autres à pouvoir tester des produits. Parce que certains moments, on peut pas s'acheter ces produits-ci parce qu'ils sont quand même onéreux. Faut dire ce qui est, hein, on va pas se mentir. Donc pouvoir tester ces produits, les recevoir, gratuitement certes, mais au moins faire un avis dessus et vous dire ce qu'on en pense. Qui n'aimerait pas, j'ai envie de vous dire, hein, on va pas se mentir. Enfin voilà, je préfère le dire au cas où, parce que je sais qu'il y a des petites personnes qui vont dire ah tu profites et tout. Bon, si tu veux, c'est on teste, on a envie et on fait ça aussi pour vous. Donc voilà pour ceci. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, et je me souviens ce que je voulais dire. S'il y a un produit qui ne me plaît pas, je vais pas m'en cacher, je vais le dire. Hein. Je pense que vous le savez maintenant, s'il y a un produit qui me plaît pas, même si je l'ai reçu gratuitement ou autre, je vais dire si c'est de la merde. Hein. Je vais pas dire ah c'est bien et que c'est pas bien. Je suis pas comme ça. Donc je préfère vous le dire au cas où. Et puis voilà. En tout cas, comme je vous l'ai dit, je vous laisserai en barre d'infos le lien de Ivancy pour que vous puissiez vous aussi vous permettre, si vous êtes youtubeur, de pouvoir aller sur cette plateforme. Et puis voilà. En tout cas, je vous remercie parce que c'est grâce à vous que je peux tester ces produits. Donc voilà. Et j'espère que cette nouvelle collaboration va continuer et vous montrer d'autres produits, qui sait. Sur ce, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne et d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Et j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis dans une prochaine vidéo. Bye !